Bonsoir. Et bienvenue. On est très très heureux d'être avec vous ce soir dans ce magnifique endroit, donc à l'Angoula. Et on va vous interpréter des morceaux tantôt de Lionel, d'autres à moi. On vient de commencer par une composition à moi qui s'intitule Blossom, comme quelque chose qui éclot. Et première, ce soir, vous étiez les premiers à entendre ça, on a introduit ce morceau avec une improvisation totale. Donc le tout début, en fait, c'était totalement une improvisation. Là, on a senti de le faire ici pour la première fois pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Et maintenant, on va continuer un peu dans les éléments. On est autour de la pierre, des arbres, dans la nature. Ça fait du bien. On va continuer avec un morceau à moi qui s'intitule « Neige ». Merci. Thank you.
décidément, ce soir, c'est la soirée des premières. C'était la première fois que Lionel sortait son mélodica. Mélotone. Pardon. Mélotone. Voilà, pour nous, sur neige. Moi, j'aime pas mal. Je sais pas vous. Thank you.
Léo Tella, et la version instrumentale s'appelle Olé Léo, vous voyez, c'est de l'anagramme naviellesque, vocal chimiste. Et là, on va continuer sur une composition qui s'appelle Timeline. Voilà, merci beaucoup. Thank you.
une chaleur. Vous savez, on vient de Rome, on était à Cannes. Je pensais avoir très 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 froid, donc je m'étais beaucoup habillée, puis en fait il fait chaud. Je suis désolée, vous n'avez peut-être pas très chaud. Il y a un pull, s'il vous plaît. On était du côté de Cannes, on était du côté de Rome, il a fait des chaleurs incroyables. Alors là, on revit. Mais on n'avait pas bien prévu le coup, en fait. C'est ça. Il y a quelques années, Erel et moi, on a monté un quartet avec deux camarades, qui sont Vincent Segal et Mini Nogaray, autour de la musique de Carlos Gardel. Moi, je me suis intéressé un petit peu à la question parce que j'ai écrit les arrangements, tout ça. Carlos Gardel, c'est quelqu'un de très, très complexe. C'est quelqu'un qui était très ambigu sur ses origines, sur son âge, sur son lieu de naissance, etc. Donc, par exemple, il disait qu'il était né à 2 ans et demi à Buenos Aires. Alors, moi, en cherchant, j'ai découvert qu'il était né à Toulouse. C'est quelque chose de très polémique, en fait, j'ai appris ça plus tard. C'est Mini Nogaray, notre percussionniste de Cordoba, qui est un peu notre caution culturelle sur ce projet, qui m'a dit, mais tu sais, c'est compliqué, les Uruguayens ne sont pas d'accord avec les Argentins. Les Argentins disent qu'il est né à Toulouse, et les Uruguayens disent qu'il est né en Uruguay. Donc ils se disputent à coups de papier officiel, c'est très 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 sérieux. Même d'ailleurs, quand je parle de ça des fois en concert, comme je le fais là, j'ai déjà eu des gens qui viennent me voir à la fin de l'année. Vous ne devriez pas parler de ça. C'est compliqué. Vous mettez les pieds dans... Voilà. En tout cas, c'est vraiment une icône d'Amérique du Sud qui est née en France, quand même, à qui on doit le tango chanté, la première version du tango chanté. Et vous savez, là-bas, c'est... Minino me disait, il y a des papis qui se rencontrent le soir. Il fait, tu as écouté Carlos hier, toi? Mais bien sûr, comme tous les jours. Tu ne trouves pas qu'il chante encore mieux? Pour vous dire le mythe. Et donc, en tout cas, en fouillant tout ça, je me suis rendu compte que c'était très, 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 très compliqué comme situation. Et pour répondre aux journalistes, j'ai quand même étudié le sujet et j'ai trouvé qu'en fait, s'il était né à Toulouse, ce qui a été confirmé depuis, et sa maman s'appelait Berthe Garde, donc lui s'appelait Charles Garde, en fait. Et sa maman était née dans un petit village qui s'appelle Saint-Geniès-d'Olt, dans l'Aveyron. Et moi, je viens de l'Aveyron. Alors, j'ai décidé pour réconcilier les Uruguayens et les Argentins que Carlos Gardel était aveyronnais. Et ce qui a beaucoup plu à Minino. Voilà, je me suis dit que si on pouvait tout guérir par la musique, peut-être qu'on changerait bien des choses. Donc on va vous jouer un morceau de ce répertoire qui s'appelle Memoria Collective. Si ce n'est pas le cas de le dire... Thank you.
Thank you.
Thank you.
De Lionel qui s'intitule Choreño para tu niño. Ça va, vous n'avez toujours pas trop froid? Non. Ouais, on va essayer de vous réchauffer. Eh bien, on va poursuivre et terminer avec un autre morceau du répertoire tango avec le Quartetto Gardel qui s'intitule Cambiada. C'est parti. Oui, il veut dire quelque chose. Cambiada. Thank you.
votre accueil, merci pour votre enthousiasme. Vous en voulez un autre? Oh, je crois qu'on va en jouer un autre. Avant ça, on voudrait remercier toute l'équipe du festival, tous les bénévoles, les techniciens, David et Ronan, si je me souviens bien. Merci beaucoup à vous pour votre superbe travail. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Gidals de nous avoir reprogrammé. C'était assez émouvant pour moi de venir cette fois-ci, parce que je sais que j'aurais dû venir il y a quelques années, en 2018, lorsque j'ai dû arrêter pendant un certain temps pour attendre un très heureux événement. Et oui, c'est un grand moment dans la vie. Et voilà, je suis très très heureuse de finalement être arrivée à venir 4 ans plus tard, dans ce magnifique endroit. On se disait avec Lionel, on voyait Langourla, le festival de jazz de Langourla, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Voilà, maintenant on sait quel magnifique endroit, vraiment, dans la verdure. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien d'autre si, merci beaucoup pour votre écoute qui est très agréable à entendre. Ouais. Alors, si vous voulez... Mais oui, il veut s'exprimer, je suis d'accord. Oui. On va vous jouer un dernier petit morceau qui s'intitule... Il se trouve que c'est maintenant qu'on le joue, mais c'est un morceau qui se joue d'autres fois, mais c'est Time to Say Goodbye.